bah j'ai fait comme tout le monde. Bah ouais. Bah quoi? Je me suis pris un Raptor quoi. Bah oui, c'est la voiture quand même qui en a pas plus d'un. Ouais, ça en a pas plus d'un. Pourquoi? Bah parce que ça coûte pas cher et puis c'est solide. Voilà. Donc celui-là il vient de chez Mani, regarde, c'est marqué. Donc je l'ai pris en roller, je l'ai eu en roller, avec des cerises derrière, regarde, c'est un monsieur. Hein, t'es de cerises quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécifique celui-ci? Donc, il vient de chez Mani. Donc, il a un peu, je pense, la maladie de ses raptors. C'est les jeux dans les fuses arrière. Regarde ça. Mais, ça n'empêche pas de rouler. Ça n'empêche pas de rouler, clairement. Je vais commander les fusées arrière pour éventuellement remplacer. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà. Le reste, c'est le seul truc où éventuellement ça fait ça. Donc on a dit qu'on avait les cerises. On a la carreau. Voilà, hein, clac, clac, clac. Dessus, donc je l'ai eu en roller. J'ai mis le combo, le Cher Artel à 110 euros. Pour voir ce que ça donne, voir ce que ça dit en termes de chauffe, d'autonomie et de rendement. Voilà. Donc, certes, il y a du Hobbywing Robitronic à 30 euros de plus. Ben, ça reste 30 euros de plus déjà. Et on verra ce que ça dit. Voilà. Pour l'instant, comme dit, j'en suis content sur le max. On va voir ce que ça donne sur celui-ci. Donc voilà, regarde comme c'est beau, c'est monté. J'ai pas fait grand chose de plus, hein, si ce n'est que globalement, voilà, il est là. Il y a la cale arrière, ma dîne maison, qui... vraiment, par contre, c'est vrai que c'est une grosse maladie. Tous les propriétaires m'en mettent un alu parce que ça casse tout le temps. Voilà. Et après, que dire, voilà. Livre devant, plus dur d'allumer et vraiment plus dur. Au milieu, et encore, c'est quand même bon, voilà, c'est quand même pas foufou. Donc, pignon de 12, voilà ce que ça dit. Il faut... Allez, Nico, faut que tu branches les lipos quand même, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est le cerveau d'origine. On est sur les pneus du 7, on n'est pas sur les pneus d'origine du Raptor. Et pour mettre ces pneus-là, et pour faciliter un peu le pilotage, il a mis, tu vois, il a mis des élargisseurs d'un bon centimètre derrière, au barreau. Avant que je le voie, voilà. Ça va quand même plutôt envoyé. Donc on va se retrouver sur le prix. Voilà pourquoi j'ai pris ça. J'ai pris ça parce que tout simplement, ouais, effectivement, c'est un entrace un peu plus long qui fait 360, 370, à peu de choses près patate. C'est pas du 380, c'est certain. Tac. Ouais, c'est vraiment du 360. Donc un peu entre un C8 et un Xbox V2, c'est à peu près pas la même chose, mais c'est tout petit, c'est vraiment tout petit. Et puis c'est voilà, c'est idéal pour la prairie, où ça balade pas trop. Je sais que Miko il l'envoie balader par-dessus la tête de partout, ça tient le coup. C'est polyvalent, tu lui mets des petits trous, de piste, ben, si tu veux dépanner pour suivre les copains, ben, t'as les vis dans les triangles, tu la baisses. Et puis en avant guingant, tu mets un plus gros pignon parce que tu vas mettre des pneus plus petits, donc du coup ça reste un modèle qui est polyvalent pour pouvoir en fait tout simplement se faire plaisir et compléter la gamme des voitures que je suis en train de me faire. Hein, voilà. Donc un FC8 type, voilà, type Raptor, Desert Buggy, voilà.
de taille conçue, sympathique, toujours 6S, parce que je vais me refaire toute la gamme en 6S. Pour pouvoir un peu pouvoir centraliser les lipos. Et puis voilà, donc rien d'autre à dire, si ce n'est que on va faire les essais, hein, rapidement, parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. Et voir si c'est l'histoire de roue arrière, ça gêne, mais j'ai quand même pas l'impression, hein, pour être honnête. Et puis voilà. Allez, à plus, ciao ciao.